Bonsoir. C'était il y a 20 ans. De jeunes militaires, le sourire aux lèvres, sont venus dans l'aube de la ville blanche libérer le peuple portugais. Souvenez-vous, c'était le 25 avril 1974. Aujourd'hui, dans les brûlures de l'histoire, nous allons tenter de vous restituer ce souffle de la liberté dans cette Europe arriérée après 50 ans de dictature. En compagnie d'Otelo de Carvalho, principal acteur de l'histoire, jeune militaire à l'époque, et du professeur Guy Hermé, professeur de sciences politiques et spécialiste de la fin des dictatures en Europe. Le signal de l'insurrection est donné par la diffusion d'une chanson interdite parce que jugée subversive. Un communiqué, émanant d'un organisme intitulé « Mouvement des forces armées », invite la police et l'armée à demeurer dans leur cantonnement. La situation est confuse, mais à aucun moment des combats ne sont signalés à Lisbonne. Le mouvement des forces armées invite d'ailleurs toutes les forces de l'ordre à faire l'impossible pour éviter l'effusion de sang et toute division entre Portugais. Assez rapidement, la rébellion gagne en ampleur. Otelo de Carvalho, jeune capitaine, en est un des principaux chefs militaires. Je ne dis pas rien, j'étais au PC. J'ai commandé les commandants qui ont dit quelque chose. Je vois qu'ils ont dit que nous allons faire une révolution. Maintenant, vous êtes avec nous et nous allons gagner ça jusqu'au bout. Seules quelques unités très liées au régime résistent et sont prises d'assaut. Le président du Conseil, Marcelo Caetano, se rend au général Spinola, tandis que le président de la République, Thomas, est mis en état d'arrestation. Tous deux partiront le lendemain matin pour Madère, en résidence surveillée. Le général Spinola, ancien commandant en chef en Guinée-Bissau, est un baroudeur qui se pique d'avoir la tête politique et qui s'insurge contre les guerres coloniales. Son passé lui permet de prendre le commandement des révoltés. Son livre, Le Portugal et son avenir, publié en février 1974, analysait les causes du malaise portugais. Il fit l'effet d'une véritable bombe. Dans l'après-midi, la foule peu à peu s'enhardit et envahit les rues de Lisbonne. Les communiqués se succèdent, annonçant la libération des prisonniers politiques et l'organisation d'élections libres. La fraternisation s'opère entre civils et militaires. Des œillets offerts par la foule fleurissent les fusils. L'emblème d'une révolution pacifique allait symboliser l'espoir de toute une nation. Dans la soirée, les arrestations des agents de la police politique, l'ex-PID, se multiplient. Dans la nuit, le général Spinola est désigné comme président de la junte. Il confirme les communiqués du mouvement des forces armées et annonce la tenue d'élections libres. À l'aube du 25 avril, bien à 6h du matin, 6h, 6h30, tous les objectifs étaient déjà pris par le mouvement des forces armées. Et j'ai vu finalement, pour voir l'extérieur, j'ai monté un petit peu the blanket, le couverture. La couverture que faisait le blackout des fenêtres. J'ai fait comme ça pour voir le temps et pour voir si c'était déjà jour, parce que nous étions là, comme dans un bunker. Et j'ai vu un énorme Boeing qui descendait dans le ciel pour faire l'atterrissage à l'aéroport. Et j'ai vu finalement l'énorme Boeing, un certain temps, dans un temps certain, faire comme ça et se lever de nouveau pour le ciel. Parce que l'aéroport était commandé par nous, était occupé par nous, et j'ai vu bien, alors, nous avons le pouvoir dans nos mains. Faire ça hein, avec un Boeing qui n'est pas autorisé à faire l'atterrissage, ça,
C'est le pouvoir, enfin. Les jours suivants, les exilés politiques rentrent au pays. Le 28 avril, 30 000 personnes font un accueil triomphal à Mario Soares, le leader du Parti Socialiste Portugais, rentré d'exil. Il est reçu par Spinola. Nous allons aider les militaires et les forces armées à rétablir la démocratie et à rendre la parole au peuple, mais avec toutes les autres forces démocratiques, sans discrimination et en unité. Le 30 avril, Alvaro Cunhal, le chef du Parti communiste portugais, rentre à son tour de Prague après 14 années d'exil. Il est accueilli triomphalement. Si on entend par un rôle modérateur vouloir éviter des conflits sociaux aigus qui peuvent frayer la voie à la réaction, alors nous avons un rôle modérateur. Le 1er mai fut l'occasion d'un défilé gigantesque dans toutes les villes du Portugal. À Lisbonne, il rassemble plus de 300 000 personnes communiant dans la même clameur incantatoire, peuple uni, jamais vaincu. Guillermé, cette image d'œillet au bout du fusil est symbolique de cette révolution. On a l'impression d'une émotion extraordinaire et d'un peuple tout entier qui conquiert sa liberté grâce aux militaires. Oui, oui, je crois que c'est ça. C'est une révolution de l'émotion. Bon, pacifique, l'œillet au bout du canon, du fusil, c'est-à-dire qu'il le bouche. Bon, très peu de victimes dans cette révolution. Cinq personnes tuées appartenant à la sinistre PIDE, police politique. Oui, mais donc très peu, presque rien. Et bon, je dirais un miracle, enfin une surprise totale, une divine surprise pour les Portugais. Parce que normalement, les militaires, on les attend de l'autre côté. Et ça existe, les coups d'État militaires. Mais au même moment, c'était les Grecs qui, enfin, après leur coup d'État, quittaient le pouvoir, les militaires grecs. Donc, en général, on attend qu'ils abattent la démocratie, et là, ils la créent. Et puis, il n'y a pas seulement les Portugais. Il ne faut pas oublier qu'on était quelques mois, enfin, 5 ou 6 mois après la mort d'Allende, après le coup d'État du général Pinochet. Et je dirais que là, le rideau était tombé, quoi, le rideau noir était tombé sur l'espoir de beaucoup de gens, peut-être un peu des idéalistes, mais enfin, les idéalistes sont importants. Et puis voilà, d'un seul coup, l'espoir renaît. Et puis alors, ces jeunes militaires qui débarquent sur leurs chars et qui viennent apporter la liberté. Oui. Ils viennent d'où? Cet Otello des Carvalho, donc, qui a fomenté ce coup d'État, il vient d'où? Bon, il vient d'Afrique. Enfin, il vient de l'armée d'Afrique, il y a une guerre coloniale, mais... Là encore, surprise formidable. Bon, il y a ce personnage, d'abord il s'appelle Othello. C'est formidable. Dans Shakespeare. Comme dans Shakespeare. Eh bien, en réalité, c'est ce petit major qui tient toutes les ficelles, bon, avec quelques jeunes officiers comme lui. Et ça aussi, on le découvre. Enfin, ça aussi, on le découvre. C'est-à-dire que quelques hommes, eh bien, peuvent faire le miracle, peuvent tout faire. Et apporter la liberté à tout un peuple. Et... Alors, nous allons expliquer maintenant... Comment cette liberté a pu se conquérir? Quelles en furent les causes? Car vous parliez tout à l'heure de divine surprise, mais cette surprise fut préparée sur le plan économique et militaire. Nous allons donc voir par les archives l'état du Portugal quelque temps auparavant. Pendant un demi-siècle, les Portugais ont vécu sous le régime autoritaire et corporatiste de Salazar, l'état nouveau. Un état replié sur lui-même, à l'abri de toute contamination extérieure. Succédant à une république enlisée dans d'interminables crises, un coup d'état militaire, organisé en mai 1926, mit au pouvoir le général Carmona. La voie était libre pour la dictature. Tous les pouvoirs seront désormais concentrés aux mains d'un seul homme, à la fois président du conseil et chef du gouvernement, Salazar. Il dirigera le pays dès 1932. À 37 ans, célibataire, misogyne, orgueilleux,
il s'enferme dans un pouvoir autoritaire. Le Portugal de Salazar restera pendant 50 ans l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Au sud, les plaines relativement prospères d'Alentejo, où la production de céréales continuera à stagner. Au nord, des terres arides morcelées en petites propriétés. Dès 1938, Salazar instaure ce qu'il appelle sa révolution économico-sociale. Comme tout régime autoritaire, le régime de Salazar a besoin d'une police politique puissante et contrôlée. Son sigle, PIDE, Police Internationale de Défense de l'État, est devenu nom commun. Au moins un Portugais sur trois figurait au fichier de cette police politique. Salazar instaure une organisation corporative qui ne laisse aucune place au droit de grève et où le gouvernement exerce un pouvoir disciplinaire sur les syndicats. L'état corporatif fut un échec et les salaires continuèrent à stagner à l'un des niveaux les plus bas d'Europe. Le Portugal vit une véritable hémorragie, 10% des Portugais préfèrent quitter leur pays. Pour Salazar, l'histoire est immobile. L'avenir, c'est le présent, lequel reproduit le passé. Dieu, patrie, autorité, famille, travail, tels sont les piliers de son système. La politique de rigoureuse fermeture dut s'infléchir sous la pression de l'évolution extérieure. Le pays fut obligé de s'ouvrir. En 1949, le Portugal adhère à l'OTAN. En 1955, il est admis à l'ONU. Et en 1959, il entre dans l'Association européenne de libre-échange. En 1968, Marcelo Caetano, dauphin de Salazar, lui succédera au pouvoir et pratiquera la même politique intérieure, le changement dans la continuité. Les efforts militaires imposés par la guerre coloniale se conjuguent aux pesanteurs économiques. Et même si à partir de 1960, le pays entreprend de rattraper une partie de son retard, le Portugal est gravement malade de son empire, l'Angola, la Guinée, puis le Mozambique s'insurgent. Le bourbier africain allait être le détonateur direct de l'implosion métropolitaine. Guillermé, ces images terribles attestent de la violence qui sévissait à l'époque dans les colonies portugaises. Alors les Portugais n'avaient pas de chance car il y avait ce poids terrible des guerres coloniales, sans issue politique et sans issue militaire. Et puis il y avait aussi finalement un pays dans un délabrement économique épouvantable. Oui, tout à fait. Bon, je crois que la cause directe du 25 avril 1974, c'est la guerre coloniale. C'est la guerre coloniale et pour deux raisons. Parce que, bon, d'abord, ce sont des militaires justement qui ont été blessés, qui ne supportaient plus la guerre coloniale, qui font la révolution du 25 avril. Et puis... Avec le poids du service militaire qui, depuis 68, avait été élevé à 4 années. Oui. Donc tous les jeunes Portugais partaient pour 4 ans. Oui, toute la population subissait ça. Et puis c'était une guerre avec des petits moyens. Le Portugal n'est pas un pays riche, donc dans des conditions très difficiles aussi pour les soldats. Mais ça, c'est le premier aspect. Mais aussi, la guerre coloniale, bon, je dirais qu'elle explique un peu l'arriération du Portugal par rapport à l'Espagne, au fond. Je ne dis pas par rapport à l'Europe, c'est trop simple. Par rapport à l'Espagne, au même moment, l'Espagne explosait économiquement. Il y avait le miracle économique espagnol, il n'y a pas eu de miracle économique portugais. Avec Franco encore au pouvoir. Et avec Franco encore au pouvoir. Et Caetano, au fond, voulait faire la même chose. Donc, au moins, faire avancer le pays économiquement. Mais il n'a pas pu, à cause de la guerre coloniale, des dépenses de la guerre coloniale. Alors, juste avant que n'advienne cette divine surprise qu'est la Révolution, vous qualifieriez, vous, le régime de dictature ?
Vous savez, il y a une expression, quelquefois, enfin, il y a des gens qui disent dictature des spécialistes, et puis d'autres qui disent dictamol. Et je crois que ce n'était pas une dictature, peut-être pas tout à fait une dictamol, mais c'était un régime qui avait beaucoup changé depuis quelques années. C'était un régime qui s'ouvrait un peu. Salazar était mort en 69, il était au pouvoir depuis 1928. Ça avait été un dictateur rigoureux. Caetano était un libéral par comparaison. Et donc, il y avait une certaine liberté d'expression. Ce n'était pas un régime terriblement répressif. Et simplement, eh bien, c'était une dictature relative qui ne servait à rien, parce qu'elle servait à empêcher les gens de s'exprimer, à museler la liberté au Portugal. Mais je dirais, sans cette compensation qu'on voyait en Espagne, justement. Au moins, ça servait à faire démarrer le pays, là pas. Ça ne servait à rien. Nous allons voir maintenant la constitution du nouveau gouvernement, juste après donc la révolution des œillets. Temos longo caminho a percorrer. A liberdade que vos foi restituída, ainda não está plenamente conquistada. Les 15 et 16 mai 1974, des institutions provisoires sont mises en place. Spinola, président de la République, désigne Palma Carlos, vieux républicain, comme président du Conseil. Ce premier gouvernement réunit des membres de la junte, des dirigeants connus des partis de gauche, Alvaro Cunhal, Mario Suarez, ainsi que des représentants d'un parti centriste, le PPD, Parti Populaire Démocrate. Le gouvernement agit avec prudence sur le plan diplomatique. Nixon vient apporter son soutien en rencontrant Spinola Rosas. La cohésion de ce gouvernement fut de courte durée. Moins de deux mois après, le président du Conseil et plusieurs ministres démissionnent pour protester contre l'impossibilité à faire admettre leur programme économique et social. Les occupations d'usines commencent, les grèves fleurissent, les revendications se multiplient. E para isso precisamos de realizar a obra que foi prometida desde o 25 de abril de sanear, de acabar com os fascistas na administração pública. Se nos mantivermos unidos, a vitória final está assegurada. Le 15 juillet, le second gouvernement provisoire est constitué autour du général Gonçalves. O movimento das Forças Armadas teve como objetivo supremo dotar o país de instituições democráticas livremente escolhidas pelo nosso povo. Les représentants du mouvement des Forces Armées y font leur entrée officielle. Les partis de gauche appuient les militaires partisans de l'accélération de la révolution, mais le général Spinola se prononce pour une démocratisation et une décolonisation moins radicale. Otello de Carvalho conduit toujours avec détermination la révolution du côté des Forces Armées. Este elenco ministerial em que aparecem realmente estes sete militares e conhecendo-os eu como eu conheço, quase diria que estávamos a implantar uma democracia militar. Estás a perceber? C'est en particulier autour de la question de la décolonisation que s'engage alors l'épreuve de force entre la droite regroupée autour du président de la République et la gauche réunie autour du président du Conseil. Spinola la veut progressive, conformément aux vœux des Américains. La gauche veut la négocier tout de suite avec les mouvements de libération. Au Portugal, dès septembre, dans les campagnes et surtout dans le nord du pays, nombreux sont ceux que ces changements inquiètent. Des partis conservateurs et réformistes, PPD, CDS, protestent contre la mainmise des militaires et exigent des élections. E o vosso apoio ficou claro. Nas nossas mãos está a força do povo. De mãos unidas, temos Portugal novo a construir. S'appuyant sur les partis de droite, Spinola appelle à une grande manifestation à Lisbonne. A maioria silenciosa do povo português terá pois de despertar.
e de se defender ativamente dos totalitarismos extremistas que se degladiam na sombra. Da 5ª Divisão do Estado-Maior das Forças Armadas, recebemos também o seguinte comunicado. Informa-se o país que a manifestação promovida em nome de uma autodenominada maioria silenciosa que teria lugar em Belém hoje às 15 horas... La manifestation silencieuse n'aura finalement pas lieu. Des barricades sont dressées aux entrées de la capitale par les militaires qui ont créé le COPCON, bras armé de leur mouvement dirigé par Otelo de Carvalho. Spinola n'assiste pas. Il démissionne et est remplacé par le général Costa Gomes. Les réformes vont désormais s'accentuer. Le MFA et les communistes veulent réorienter par la voie des nationalisations l'ensemble de l'économie. Álvaro Cunhal défend la dictature du prolétariat. Nous ne voulons pas la liberté pour nous seuls, nous voulons la liberté pour notre peuple. S'il y a une limitation, c'est seulement celle qui résulte du fait qu'il y a quelques-uns qui veulent profiter des libertés pour s'organiser, pour faire leur propagande, avec le but bien déterminé de liquider ces libertés et de faire revenir le Portugal au passé. Quant à Mario Soares, il propose le modèle d'une démocratie pluraliste comme la seule voie d'intégration à l'Europe. Il recevra la puissante réserve des grands leaders de l'Internationale socialiste qui viendront le soutenir. Quand il dit que nous, portugueses, estávamos orgulhosamente sós, tristemente sós, pois bem, camaradas, eu, parafraseando essa frase, digo-vos agora, estamos orgulhosamente acompanhados. Parti socialiste portugais. Vive, vive le Portugal! Mars 1975, des parachutistes encerclent la caserne d'un régiment très marqué par le MFA, tandis que des avions survolent la capitale. Mais sous la pression populaire, les insurgés fraternisent avec les assiégés. Très vite, Spinola est soupçonné d'être l'instigateur du putsch. Il ne lui reste plus qu'à s'exiler. L'aile gauche du MFA se renforce. L'armée prête le serment révolutionnaire. Le Conseil de la Révolution est constitué. Costa Gomes s'en prend la tête. Le pouvoir appartient désormais aux militaires d'extrême gauche. Nous venons de voir donc la première phase de la Révolution portugaise, celle qui fut dirigée par le général Spinola. Et oui. Tout va commencer à se gâter. Alors pourquoi? Il va y avoir déjà, tout de suite après, qu'au mois de juillet 1974, un premier clash. Et le premier ministre du président Spinola va devoir démissionner. Il voulait renforcer l'exécutif face aux militaires. Démission. Puis, alors, tout éclate, tout s'effondre en septembre, c'est-à-dire peu de mois, donc 5 mois après la révolution des œillets. En septembre, Spinola veut s'appuyer sur la majorité silencieuse. Moi, je pense qu'il pense à la France de 1968, de mai 1968. Il veut faire de grandes manifestations, retourner le courant. Et écraser les militaires. Et écraser les militaires, enfin politiquement. Et il n'y parvient pas. Et le peuple, comment réagit-il, ce peuple portugais? Le peuple, c'est difficile à savoir parce que, bon, le peuple, si vous voulez, qui manifeste dans les rues, bon, c'était plutôt le peuple populaire, je dirais, qui croyait dans la révolution, qui croyait dans le militaire gauchiste. La masse des autres gens ne bougeait pas beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de bouger. Et il faut dire que l'armée était contrôlée par Otelo de Carvalho. Et que c'était très difficile de manifester dans l'autre sens. Donc ça n'a pas pu marcher et finalement, eh bien, Spinola doit démissionner. Spinola doit démissionner et il est remplacé par un général qui s'appelle Costa Gomes. Et celui-là va faire tout ce que les militaires veulent. Et alors ce que les militaires veulent, eh bien, à partir de ce moment-là, le dispositif s'installe. On crée une assemblée des forces armées qui va être finalement l'assemblée, mais c'est une assemblée militaire. Et puis on crée un conseil de la révolution qui devient le véritable gouvernement et qui se compose avant tout de militaires gauchistes. C'est extraordinaire, c'est la première fois qu'en Europe on invente ce type de révolution. De ce type de révolution militaire, oui, tout à fait. Je dirais que, bon, il y a eu des révolutions civiles, la révolution bolchevique avait un peu de ça. Celle de 17. Oui, celle de 17, enfin au tournant de 17-18, mais là ce sont des militaires, ce ne sont pas des bolcheviques.
Alors, les choses vont commencer à se gâter parce que les principales forces politiques, notamment le Parti socialiste, va avoir son mot à dire. Mais nous allons tout d'abord regarder avec vous, Guilherme, l'effervescence de la révolution à l'intérieur du Portugal et le peuple prend la parole. Vive Portugal! C'est un coup d'État bien fait. Et vive la liberté! Vive la liberté! É isso que é preciso, liberdade em Portugal! É preciso, é o povo ter liberdade! Aqui mais foi terem dado 2.700 escudos a uns que já ganham um monto e nós 2.700 e 2 contos levamos para um contra-reis. É isto que nos traz aqui a todos, é isso. Isto é que nos traz aqui, que continuamos com o fascismo assim. E portanto não pode haver democracia com um povo tão mal educado. Pois se nós vamos para uma sala, não podemos falar. Bom, nós somos mal educados porque nunca aprendemos a ser bem educados, sabe? Não vai deixar. Foi por isso. Mais feliz, eu que não venha que não me faz falta, nem a mim mesmo. Passava tudo eu quando tive esta filha, tinha 19 anos, pesava 1 quilo quando nasceu, tanta fome que eu passei dentro daqueles 9 meses, e então, por eu pensar isso, é que tenho pensado sempre, morro, mas morro a lutar. E então, para a luta dos trabalhadores de casebres começou porque o desemprego era muito. E até quando foi aí para os fins de fevereiro, começamos a organizar e começamos a pensar que isto não estava certo. E havia tantas terras desprezadas como estas que nós tomamos. Vamos aller beaucoup plus loin en créant ici pas un modèle occidental de démocratie bourgeoise, mais en faisant réellement une révolution socialiste, en faisant tout pour créer des organes populaires de base. Il y en avait beaucoup déjà, et se sont créés immédiatement des commissions de travailleurs dans les usines, des commissions d'habitants dans les quartiers des grandes villes, des commissions de villages dans l'intérieur du pays, tout ça. Ça a été formidable et nous a donné, et m'a donné à moi-même, surtout à moi et à quelques peu de camarades du mouvement, la certitude de que le chemin pouvait être de créer ici un nouveau modèle de régime, un vrai régime socialiste avec les travailleurs au pouvoir, en décidant dans le chemin de ses propres intérêts, la situation politique, économique, sociale du pays, etc. Et en conséquence, non seulement de ce nouveau modèle de régime, un nouveau modèle de société. Innombrables sont les images qui montrent cette révolution qui s'inscrit, j'allais dire, presque corporellement, et cette espèce d'exultation de la liberté. Alors comment s'est-elle produite chez le peuple portugais et comment a-t-elle été encadrée? Parce qu'à l'époque que nous venons de voir, c'était une junte militaire de gauche qui était au pouvoir. Est-ce qu'elle encadrait cette espèce d'aspiration extraordinaire à la liberté du peuple portugais? Donc les militaires ne l'encadraient pas tellement. Bon, il y a eu effectivement cette aspiration, non seulement à la liberté, mais à la prise de possession du pays. Les gens se sentaient un peu dépossédés. Et donc les ouvriers agricoles ont occupé les grandes exploitations, les ouvriers ont occupé les usines, ont déclaré qu'elles leur appartenaient. Mais les militaires, ils n'avaient pas l'habitude d'encadrer le peuple, ils avaient l'habitude d'encadrer des soldats. Et qui savait encadrer le peuple? Il n'y avait guère que les communistes. Parce que dans la clandestinité, eh bien, les socialistes avaient été refoulés, ils ne sont pas organisés, puis ils étaient très récents, pas organisés pour vivre dans la clandestinité. En définitive, il n'y avait qu'un parti de gauche donc, qui quadrillait le terrain, c'était les communistes. Et alors, je dirais qu'aussitôt, ils l'ont fait naturellement, l'encadrement. Spécialement dans les zones du centre du pays, où il y avait des terres à occuper, où les grandes entreprises à occuper autour de Lisbonne.
Et alors, les militaires, d'autre part, comme eux n'étaient pas, je dirais, outillés pour faire cet encadrement, ils ont laissé faire les communistes, puis finalement, ils ont fait appel à eux. Donc, dans cette seconde phase de la Révolution portugaise, on peut dire que le Portugal vivait sous obédience communiste. C'était les communistes qui étaient au pouvoir. Alors, bon, c'était les communistes. C'est une sorte d'alchimie un peu bricolée entre différentes tendances. Oui, c'était plus ou moins les communistes qui gouvernaient, qu'on voyait sur le terrain. Bon, les militaires, quand même, avaient, je dirais, l'arme ultime, c'est-à-dire ils avaient les armes. Les militaires pouvaient intervenir à tout moment. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de juillet 1974, il y a eu un premier ministre militaire, mais en fait communiste, Vasco Gonçalves. Et alors, à partir de ce moment-là, eh bien, le gouvernement militaire et le Parti communiste sont allés la main dans la main. Et alors, on est passé du mouvement des forces armées du début, donc, qui était tout un réseau, en somme, de jeunes militaires idéalistes. Il y avait dedans des communistes, des socialistes et d'autres, mais beaucoup de gauchistes idéalistes. Mais là, je dirais que ça a changé un peu de visage. Et puis, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus structuré. Et alors, dans un rapport de force aussi avec les communistes, quand même, c'était un peu compliqué. Je ne dirais pas que le mouvement des forces armées était communiste. Il y avait un rapport de force, mais Othello l'a dit, un rapport de force qui devait conduire ou bien, comme il le disait, une dictature, une démocratie militaire, il disait. Une démocratie militaire, c'est quelque chose de spécial. Ou bien alors, peut-être que c'était pour Cunhal, le dirigeant communiste qui avait approuvé l'intervention russe en Tchécoslovaquie en 68, pour Cunhal, ça aurait été la démocratie populaire. Donc, la révolution est en train encore de s'inventer et nous allons voir la suite en images. Les militaires vont dans les campagnes faire leur propagande et essayer d'attirer à eux le peuple portugais. Comme membre du MFA, il faut que le MFA il est toujours avec des yeux ouverts. Nous sommes venus ici pour faire comprendre à cette gente-là qu'on peut parler avec liberté de tous les problèmes qu'ils ont, et alors pour commencer à faire un Portugal nouveau. Dans les villes, la campagne législative bat son plein pour les premières élections libres qui vont désigner l'Assemblée constituante. Un an, jour pour jour, après la révolution des œillets, le Portugal vote. Les électeurs se déplacent à plus de 90% pour participer aux premières élections libres depuis un demi-siècle. En accordant majoritairement leur suffrage au Parti socialiste, ils manifestent leur intérêt pour une révolution mesurée. L'autre grand vainqueur est le PPD, Parti populaire portugais, proche des socialistes. Les communistes n'obtiennent que 12%. C'est pourtant à Vasco Gonçalves, proche des communistes, que le président Costa Gomes confie pour la quatrième fois la formation de son gouvernement. E a política deve ser feita de fronte de vocês e não nas vossas costas. Un nouveau train de nationalisation est lancé et la réforme agraire réclamée par les communistes commence dès l'été. Mais ce fut l'affaire du journal Republica qui remit en cause la cohésion gouvernementale. En mai 1975, une partie du personnel, en désaccord avec l'orientation socialiste du journal, occupe les locaux, séquestre la direction et sort une édition pirate. Soares accuse les communistes d'avoir fomenté le mouvement et les militaires d'avoir fermé le journal. Sans démissionner du gouvernement, les socialistes boycottent le Conseil des ministres, puis rentrent dans le rang, pour peu de temps. En juillet, ils partent en compagnie des centristes pour protester contre une décision du MFA de créer une assemblée populaire qui défend la révolution. Nous ne sommes pas disposés à perdre nos libertés politiques. Alors nous venons de dire oui à la démocratie pluraliste, non à la démocratie dite populaire. Socialisme si, dictature non. Un cinquième gouvernement provisoire est créé, à sa tête, toujours Vasco Gonçalves. Thank you.
Les militaires, quand ils ont pris le pouvoir le 25 avril 1974, avaient promis la liberté. Liberté veut dire élection. Les élections ont bien eu lieu. Promesse fut tenue le 25 avril, toujours la même date, date symbolique de l'année d'après, 1975. Et là, ce fut la sanction des urnes. Et ce ne sont pas ni le mouvement des forces armées, ni les communistes qui ont gagné, mais les socialistes. Tout à fait. Bon, comment expliquer cette révolution ? Ces élections vont marquer le grand retournement. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont se révéler. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait des manifestations de rue. Et puis là, on a, comme on dit, le verdict des urnes. Et les militaires progressistes, enfin ceux qui étaient le plus à gauche, avaient donné une consigne d'abstention pour se compter. Et en réalité, la participation électorale a été énorme. Elle a atteint 92% de la population. Mais pour une fois que le peuple pouvait aller dire ce qu'il pensait, oui, il y est allé. Il est allé et il a désavoué, en fait, complètement, donc, les militaires les plus extrêmes, les révolutionnaires. Donc, le verdict était très clair, mais ce qui va se passer, c'est que le Premier ministre Vasco Gonçalves, eh bien, ne va pas tenir, et le président de la République non plus, Costa Gomez, ne vont pas tenir compte du verdict des urnes. C'est-à-dire, ils vont vouloir continuer la révolution. Ils vont vouloir continuer la révolution, et en tournant le dos, à partir de ce moment-là, au parti, sauf au parti communiste, et en tournant le dos, donc, aux Portugais, au fond, à ce qu'attendaient les Portugais. Et alors, là, eh bien, on va entrer dans une période difficile de lutte, aussi de plus en plus dur entre les socialistes et les communistes pour le contrôle du monde ouvrier. C'est-à-dire que les socialistes voulaient une centrale, les communistes voulaient une centrale syndicale unique, les socialistes auraient voulu un pluralisme syndical. Bon, finalement, ils vont se disputer le contrôle de chaque branche. Et la situation va devenir intenable au cours de l'été pour Vasco Gonçalves. Finalement, il va devoir démissionner. Et là, alors, je crois, moi je me souviens bien, toute l'Europe, enfin, qui assistait en spectateur à tout ça, voit le tournant. Il y a un amiral qui est nommé Pinheiro de Acevedo, et là, c'est un amiral socialiste. C'est un modéré. Et donc, dans le courant de l'été 75, tout tourne, tout change. Et donc, le cap est nouveau. C'est le cap, maintenant, qui, je dirais, nous mène à ce qu'est le Portugal aujourd'hui. Guilherme, nous allons regarder en votre compagnie les conséquences de cette révolution des œillets. Alors qu'au Mozambique, l'indépendance est proclamée, en Angola, la guerre civile ravage le pays. L'afflux de centaines de milliers de colons vient grossir le rang des mécontents. L'été et l'automne voient le déferlement de la violence, la situation économique s'aggrave. Dans le nord du pays, les manifestations anticommunistes se multiplient. Nous voulons être libres, nous ne voulons pas une dictature, militaire ou communiste ou quelconque. Eu sou dos que estou disposto e dos que prefiro a guerra civil a um governo definitivamente comunista. É, efetivamente, dessa escolha singela que se trata hoje em Portugal. O general Otelo Freiva de Carvalho. Pois bem. É um dever de honra do movimento das Forças Armadas e de todas as forças progressivas e patrióticas do nosso país que não deixem quebrar-se essa esperança, que nós desta vez não percamos o nosso futuro. Le 25 novembre 1975 marque la régression du processus révolutionnaire. Les parachutistes de Tancos, aile gauche du MFA, tentent un coup de force militaire. L'opération échoue. Otelo de Carvalho est arrêté, l'aile gauche du MFA dispersée. Aux élections législatives, les électeurs confirment le Parti socialiste dans son rôle hégémonique, qu'il partage toujours avec le centre-droit. Mario Soares forme le premier gouvernement constitutionnel. Les élections présidentielles assurent le triomphe du général Inés, élu avec plus de 60% de suffrages, grâce au soutien des socialistes, du centre et d'une partie de la droite. Le Parti communiste n'obtient que 8% des voix.
quant à Otelio de Carvalho, candidat de la gauche révolutionnaire, il reste populaire avec 16% des suffrages. Les luttes intestines au sein du mouvement des forces armées, le mouvement, je dis ça souvent, mes camarades étaient réellement des progressistes, étaient des révolutionnaires bourgeois, mais ils n'étaient pas des révolutionnaires socialistes. Ils avaient ces limites dans la révolution. Ils ne voulaient pas réellement donner le pouvoir aux travailleurs. Ça, c'est réellement la différence. Donc ils ont fait tout quand la révolution et les travailleurs ont grondi, ont marché vers le pouvoir. Ils ont eu le besoin de freiner ce mouvement de masse énorme qui existait au Portugal et soutenu par les grands partis politiques bourgeois, les partis socialistes, les partis populaires démocratiques, aujourd'hui parti social-démocrate, le centre démocratique social, le parti communiste, etc., freiner la révolution pour donner la première place. Le parti communiste. Oui, évidemment. Ah bon. Ouais. Parce que ce grand mouvement de masse avait la participation du parti communiste, mais une participation très crispée, parce que le grand enthousiasme des masses venait surtout du point de vue individuellement, des gens qui ont surgi subitement comme grands leaders populaires, et aussi des petits groupes de la gauche révolutionnaire et même de l'extrême gauche que mouvementaient beaucoup les foules, les masses des habitants, etc., et les faisaient participer activement dans la vie politique et sociale du pays. Mario Soares devient président de la République. Dès 1982, la révision constitutionnelle supprimait le Conseil de la Révolution, renvoyant définitivement les capitaines dans leurs casernes. En janvier 1992, le Portugal va obtenir la présidence du Conseil des ministres de la Communauté européenne. Le dernier de l'Europe s'est avéré le bon élève de la classe. La vie à l'heure européenne a confirmé l'ancrage du pays dans la démocratie. Le Portugal qui existe aujourd'hui, 20 ans après, le 25 avril 1974, c'est un Portugal absolument différent. La démocratie existe, les institutions démocratiques bourgeoises existent, ils travaillent, et ça fonctionne tout. Donc le bilan de tout ça, de tous ces ans après le 25 avril 1974, c'est un bilan, à mon avis, extrêmement satisfactoire. Et nous ne pouvons dire, même que pour moi, et je suis un individu dans une communauté, pour moi, les grands espoirs du 25 avril, cette possibilité réelle de créer quelque chose de nouveau, c'était peut-être un peu l'utopie, l'aventure, le risque. Mais j'aime bien le risque, l'aventure et l'utopie même. Je dois vivre comme des êtres humains, je dois vivre avec une utopie quelconque. Parce que poursuivant l'utopie, c'est possible de créer une réalité, de faire la réalité. Même en considérant que mes idéaux se peuvent maintenir et que ça pouvait être réellement une utopie énorme, je crois que tout ce qui existe aujourd'hui au Portugal, en ce qui concerne les politiques, le social, l'économique, c'est beaucoup mieux do que la situation que le Portugal et les Portugais vivaient avant le 25 avril. Temps ont passé, Guilherme, que reste-t-il de l'invention de cette révolution? D'abord, c'est un pays démocratique. Oui, bien, c'est un pays démocratique, c'est un pays comme les autres en Europe, qui a assumé la présidence de l'Union européenne. En même temps, il y a quelque chose quand même qui est moins satisfaisant. Démocratie, oui, mais deux choses moins satisfaisantes. C'est qu'au fond, il ne reste rien de nos amours. Et que, cette grande illusion, parce que ça en était un peu une,
tout cet enthousiasme de 1974, on voit maintenant qu'il ne rimait pas à grand-chose. Tout le monde avait peur en 1975. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur au Portugal, qui se demanderaient donc s'ils ne viendraient pas des espèces de Cubains. Et puis il y avait tous les pays européens qui se demandaient comment les choses évolueraient et qui ont soutenu à fond Mário Soares. Et qui ont tout fait pour déstabiliser le mouvement des forces armées et donc faire que le Portugal prenne un cap normal pour l'Europe. Bon, stratégiquement, c'est évident. Enfin, le Portugal est un pays de l'OTAN, c'est un pays fondateur de l'OTAN. Et là, eh bien, on le voyait prendre une autre direction. Et aussi, le Portugal n'a pas tellement bougé économiquement. Il a quand même beaucoup bougé, si... les choses sont singulièrement améliorées, mais enfin, ça reste un pays qui est un peu à la queue du peloton en Europe. C'est même le pays, je crois, qui est à la queue du peloton dans la communauté européenne. Mais... finalement, raison aux faits qui se sont déroulés au Portugal. Je donne raison aux faits qui se sont déroulés au Portugal. Et c'est un pays très stable politiquement. Au fond, et c'est admirable, je dirais, après seulement 20 ans de dictature, de démocratie, la démocratie est récente au Portugal. C'est un pays très stable qui ne connaît pas les convulsions de l'Italie, les difficultés de la France, et qui est gouverné de façon curieuse depuis très longtemps avec un président de la République socialiste et puis un gouvernement qui est un gouvernement de centre-droit. Ça fonctionne. Et bon, l'illusion lyrique. Pas d'illusion lyrique, mais une réalité qui est plutôt réconfortante. Mais il y a eu l'invention, donc, on l'a vu tout au long de cette émission, dans les images et dans vos commentaires, de ce mouvement des forces armées, donc comme acteur de l'histoire et acteur temporaire. Ce moment-là du mouvement des forces armées, c'est quelque chose d'exceptionnel et de très intrigant, quelque chose de très spécial. On n'a jamais vu un tel mouvement, enfin, je vous le disais, sauf au Pérou, un peu avant. Mais c'est très rare, quand même, les militaires révolutionnaires. Et il y a eu tout ce mouvement, c'est-à-dire cette espèce de parti politique de militaires qui débattaient, qui se divisaient en courant, puis qui, finalement, a éclaté, parce que parmi ces militaires, il y avait les plus radicaux, les plus extrémistes, qui étaient pour une dictature démocratique militaire. Et puis, il y avait toutes sortes de vrais démocrates, socialistes et autres. Bon, ça a éclaté, ça a disparu, mais ça a été un grand moment et ça reste, je dirais, effectivement, une brûlure de l'émotion, peut-être. Ou une brûlure de l'émotion, si vous voulez. Alors, je vous remercie, Guillermé. Nous allons, comme à chaque fin de l'émission, parler des livres qui nous ont aidés à la préparer. Mmh. Alors, tout d'abord, le vôtre, Les désenchantements de la liberté, la sortie des dictatures dans les années 90. Mmh. Dans une collection qui s'intitule « L'espace du politique chez Fayard », où vous faites le point, justement, de cette sortie vers la liberté. Oui. Un livre que, personnellement, j'ai trouvé extrêmement synthétique, extrêmement clair dans cette histoire un peu bouleversée des événements, c'est le livre de Robert Durand qui s'intitule « Histoire du Portugal », oui, qui est un livre très clair et très bien structuré. Alors, il n'y a pas tellement d'ouvrages sur cette période de la Révolution des œillets. Ça a été un grand étonnement de notre part. Il y a beaucoup de textes qui sont enflammés idéologiquement, dont celui-ci, Michael Arsgaard, Naissance d'un nouveau Portugal, Seuil, Histoire immédiate. Alors, c'est pas trop enflammé, celui-là, ça va. Une transcription des événements au jour le jour, un côté documentaire qui se lit encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Des entretiens avec Dominique Pouchin de l'actuel président de la République, Mário Soares. Portugal, quelle révolution. Alors là, on voit quand même très clairement la position politique de Soares après les événements. Oui. C'est un livre que vous appréciez ? C'est un livre que j'apprécie parce que c'est un bon livre, parce que j'aime bien Mário Soares aussi, parce que, après tout, c'est lui qui a sauvé ou établi la démocratie au Portugal. Ce n'est pas les militaires, c'est lui. Et puis deux livres, alors là, deux livres plus qu'orientés idéologiquement. L'un est signé Gérard Filoche, Printemps portugais, préface de Dominique Pouchin. C'est un trotskiste qui raconte sa révolution des œillets. Et là aussi, donc, une mise en perspective théorique et politique de ce que fut la révolution des œillets, brûlure de l'histoire, s'il en fut. Et puis, je voudrais annoncer
Une manifestation qui va avoir lieu au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qui s'intitule Le Portugal et l'Europe, et qui, grâce à des films et à la littérature, grande littérature portugaise, vont pouvoir vous faire revivre, par des colloques aussi, cette brûlure de l'histoire que fut la Révolution des œillets. Merci Guillermo. Nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un numéro des brûlures de l'histoire entièrement consacré à Dien Bien Phu. Souvenez-vous, c'était il y a 40 ans, la fin de cette bataille décisive. Patrick Rothman, en compagnie de l'historien Philippe de Villers, vous racontera l'issue de cette bataille. À la semaine prochaine, donc, bonsoir.